Paris, 18 juin 1980. La presse annonce l'assassinat d'un savant atomiste égyptien. Le professeur El Meshad a été retrouvé mort à l'hôtel Méridien, près de la porte Maillot. Les indices sont minces. Pas d'arme du crime, aucune empreinte, pas de trace d'effraction. Crime crapuleux, affaire de mœurs, espionnage, mystère. Le même jour, à Jérusalem. Alors que la presse française échafaude toutes sortes d'hypothèses, la radio publique israélienne est visiblement très bien informée. Elle donne même ce qui pourrait être le mobile du crime. La victime était l'un des rares Arabes faisant autorité dans le domaine de l'énergie nucléaire. Sa mort va retarder d'au moins 2 ans la mise au point d'un armement atomique par l'Irak. Israël a-t-il demandé au Mossad, son service secret, d'abattre en plein Paris cet homme clé du programme nucléaire irakien ? Les agents israéliens ont-ils opéré sur le sol français en toute impunité ? Pour la première fois, des témoins de cette affaire parlent. Révélation sur cette guerre de l'ombre menée par l'un des services de renseignement les plus redoutés du monde. Septembre 1975, cas d'arrache, dans les Bouches-du-Rhône. Saddam Hussein visite les installations du commissariat à l'énergie atomique. À ses côtés, le Premier ministre, Jacques Chirac. Le leader irakien rêve d'un réacteur nucléaire qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe. La France, qui a besoin de pétrole, lui donne satisfaction. De retour à Paris, le chef du gouvernement annonce officiellement que la coopération nucléaire entre la France et l'Irak est lancée. Eh bien, l'accord de coopération nucléaire est au point, nous l'avons même complètement arrêté. Vous savez que conformément à la procédure communautaire, nous devons le transmettre à la communauté, ce qui va être fait immédiatement. Et ce n'est qu'au vu des observations éventuelles de la communauté que cet accord sera signé dans un mois. Combien de centrales sont en jeu ? Le sujet est sensible et la confidentialité de mise. Voici ce que la France vend à l'Irak pour 1,2 milliard de francs. Osirak est la copie conforme du réacteur nucléaire français Osiris. Sur le papier, c'est un réacteur de recherche qui ne peut pas être utilisé pour fabriquer une bombe atomique. Reçu à l'Elysée, Saddam Hussein assure au président français qu'il n'a pas l'intention de détourner ce matériel à des fins militaires. Mais le jour même de sa rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing, le leader irakien dévoile son véritable objectif dans un entretien à ce journal libanais. L'accord avec la France est le premier pas vers la fabrication de l'arme atomique arabe. À 3500 km de Paris, Menachem Begin, le premier ministre israélien, sonne l'alarme. Leader de la droite dure, il est déterminé à défendre coûte que coûte la sécurité de l'État juif, entouré de pays arabes hostiles. Arié Naor, ici à gauche, était à l'époque son plus proche conseiller. Il se souvient de l'inquiétude de Menachem Begin au sujet d'Osirak. Begin nous a dit, hier, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu des enfants jouer dans le jardin. Et je me suis dit à moi-même, nous ne devrons jamais permettre à ce salaud d'infliger à ces enfants qui vivent ici ce que d'autres enfants juifs, d'autres petits Shlomo et Sarah, ont vécu là-bas. Il voulait dire en Europe, pendant l'Holocauste. C'est ainsi qu'il a élaboré sa doctrine nucléaire. Selon cette doctrine, l'État hébreu ne laissera jamais aucun pays ennemi, ceux qui ont juré de détruire Israël, produire ou utiliser des installations nucléaires. À l'ambassade d'Israël à Paris, les diplomates s'activent. Ils s'efforcent de convaincre les Français de renoncer au projet Osirak, qu'ils ont rebaptisé Oshirak. Mais ces efforts diplomatiques n'aboutissent pas. Il faut trouver un autre moyen de contrer les ambitions nucléaires de Saddam Hussein. C'est alors que le Mossad entre en action. La Seyne-sur-Mer, dans le Var.
C'est dans cette société que sont entreposées les pièces maîtresses du réacteur de Saddam Hussein. Objectif du Mossad, détruire ce matériel nucléaire avant son départ pour l'Irak. Début 1979, un agent du Mossad loue un appartement dans cette résidence luxueuse. Elle est située à 2 km de l'objectif, distance idéale pour préparer l'opération sans se faire repérer. Après plusieurs mois d'observation, le plan est prêt. Le sabotage est prévu dans la nuit du 5 avril, 4 jours seulement avant l'expédition du matériel à Bagdad. Cet homme s'appelle Gad Shimron. À l'époque, c'est un agent opérationnel du Mossad. Il n'a pas participé directement à l'opération de la Seine-sur-Mer, mais il sait comment elle s'est déroulée. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1979, l'opération est déclenchée. Pour pénétrer dans l'entreprise, les agents du Mossad doivent détourner l'attention des 3 gardiens qui surveillent le site. Le service secret utilise alors l'une de ses techniques habituelles. Il envoie sur les lieux une jolie femme. Au milieu de la nuit, ils ont monté une véritable scène de cinéma. Une très belle fille blonde manque d'être renversée par une voiture. Et elle commence à injurier le conducteur. Et du coup, tous les gardiens sont très occupés à regarder ce qui se passe dans la rue. Pendant que les gardiens observent la scène, un commando s'introduit dans le hangar numéro 3. Un bâtiment de 500 mètres carrés dans lequel est stocké le matériel irakien. Les artificiers placent leurs explosifs, munis de retardateurs. Ce sont 3 charges de plastique qui, en explosant cette nuit dans une des annexes des constructions navales et industrielles de la Méditerranée de la Seine, ont détruit un lot très important d'éléments destinés à l'industrie nucléaire. Il y avait un bloc destiné à recevoir des piles atomiques et 2 réacteurs expérimentaux pour l'Irak. Pour ne pas être accusé, le Mossad doit maintenant brouiller les pistes. À 13h, coup de téléphone au journal Le Monde. Le sabotage est revendiqué par une organisation écologiste dont personne n'a jamais entendu parler. Je pense que d'une certaine manière, ça montre l'esprit créatif du Mossad. Ils ont imaginé cette revendication anonyme d'une organisation écologiste qui dit « Nous avons fait sauter le cœur du réacteur car nous sommes contre le nucléaire ». Et croyez-moi, en 79, c'était très vraisemblable. Au même moment, les écologistes manifestent dans le nord de la France. La crainte du nucléaire est dans l'air du temps. La revendication est crédible. À Bagdad, Saddam Hussein est furieux du sabotage de la Seine-sur-Mer. Il veut que la France reconstruise à neuf les pièces endommagées. Raymond Barre, le nouveau Premier ministre, se rend alors en Irak. Il assure au Raïs que les dégâts sont réparables en quelques mois. Cruelle déconvenue au quartier général du Mossad, dont les chefs pensaient retarder le projet de 2 ans. Il faut passer à l'étape suivante. Après le matériel, les services secrets israéliens vont maintenant viser les hommes. Le professeur El Meshad, 47 ans, est l'un des hauts responsables du programme nucléaire irakien. Le savant atomiste est venu à Paris pour s'assurer que la France livrera bien à l'Irak de l'uranium enrichi, indispensable à la fabrication d'une bombe atomique. Le 14 juin 1980, la police le retrouve mort, assassiné, dans sa chambre de l'hôtel Méridien. L'assassinat est lié au nucléaire, l'affaire est sensible. Elle est confiée à cet homme, Jean Baclouti. Grand spécialiste du contre-espionnage, il est numéro 2 de la direction de la surveillance du territoire. C'est aujourd'hui la première fois qu'il s'exprime sur ce dossier. À l'époque, Jean Baclouti fait tout de suite le rapprochement entre le meurtre d'El Meshad et le sabotage de la Seine-sur-Mer, car il n'a jamais cru à la revendication écologiste. C'était bidon, hein. Ne nous faisons aucune illusion, l'explosion est due effectivement au service de renseignement, au service secret d'Israël. Ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ne serait-ce que par les explosifs utilisés d'ailleurs. Ces explosifs utilisés étaient des explosifs d'une certaine nature qu'on ne trouve pas ici. Là on se rend compte que ça ne peut pas être du travail fait par des amateurs. Donc c'était signé et c'était signé du Mossad. C'est signé du Mossad.
Persuadé que le Mossad est également responsable de l'assassinat d'El Mechad, Jean Baklouti enquête dans l'hôtel. En interrogeant le personnel, il apprend que le savant n'était pas seul lorsqu'il a pris sa chambre au Méridien. L'établissement est fréquenté par de nombreuses call girls qui vendent leur charme aux hommes d'affaires de passage pour quelques milliers de francs. L'une d'entre elles accompagnait El Mechad, Marie-Claude Magal, 32 ans. Ce dont nous savons par le concierge de l'hôtel, c'est qu'elle est arrivée à l'hôtel avec Mechad, que c'est elle qui manifestement le guidait, que Mechad a retenu sa chambre à ce moment-là et pas avant. Donc, ce qui est assez inhabituel d'ailleurs pour des gens qui se déplacent comme ça, et que naturellement, elle a passé une partie de la nuit à l'hôtel avec lui. Jean Baklouti reconstitue très vite le scénario du meurtre. Les services secrets israéliens ont payé Marie-Claude Magal pour séduire El Mechad et le conduire au Méridien. Une fois le savant endormi, la call girl quitte l'hôtel. Elle téléphone à son employeur et donne le numéro de la chambre, 90-41. Un tueur du Mossad passe alors à l'action. Il monte au 9e étage et se dirige vers la chambre de l'ingénieur. Le meurtre, particulièrement violent, fait plus penser à un crime crapuleux qu'à une opération de service secret. Mais quand les circonstances l'exigent, le Mossad n'hésite pas à utiliser des armes blanches. Ils ont voulu que ça se passe le plus discrètement possible. Donc le meilleur moyen de tuer quelqu'un dans un hôtel où il y a des va-et-des-vient, c'est de l'égorger. Dans les semaines qui suivent l'assassinat, Marie-Claude Magal est introuvable. Jean Baklouti enquête alors auprès des proches de la jeune femme et leur montre des photos de plusieurs agents du Mossad. Coup de chance, l'un d'entre eux a été vu en compagnie de la jeune femme. La DST identifie ainsi l'homme qui a recruté la call girl et assassiné El Mechad. Nous avons identifié physiquement le gars qui l'a fait. Nous savons quel est le gars. Et si vous le connaissiez, si vous le voyez, vous seriez convaincu qu'il est capable de faire ce genre de choses. Pourquoi ? Physiquement, c'est une brute, c'est un bonhomme capable de tout faire et convaincu de toute façon qu'il faut défendre Israël à tout prix, il aurait été capable de tout faire par patriotisme. C'est un agent du Mossad, hein ? Ah, c'est un agent du Mossad. Cet homme du Mossad, la DST le connaît sous le nom de Krif. C'est l'un des agents qui opère depuis l'ambassade d'Israël à Paris. Mais pour prouver que Krif est bien le coupable, Jean Baklouti doit interroger Marie-Claude Magal. Si la call girl confirme que l'agent du Mossad est bien son employeur, l'enquête sera bouclée. 3 semaines après l'assassinat, la police finit par retrouver la jeune femme, réfugiée chez ses parents à La Rochelle, et la convoque au Quai des Orfèvres. 12 juillet 1980, boulevard Saint-Germain, 2h30 du matin. Dans quelques heures, Marie-Claude Magal doit se rendre chez la police. Une dispute éclate entre la call girl et un homme qui sort de ce café. L'homme pousse violemment la jeune femme sur la chaussée. Une voiture passe. Le témoin clé du meurtre d'El Mechad trouve la mort dans ce qui ressemble à un banal accident de la circulation. À partir d'un moment où ils ont su qu'on était en train de remonter la filière, il fallait se débarrasser de la bonne femme. Hein. C'est le témoin gênant, ça, vous savez. Le témoin gênant... On s'en débarrasse comme on peut. Elle a été poussée sous une voiture boulevard Saint-Germain et elle a été tuée. Poussée par qui ? Par un tiers qu'on n'a pas identifié. Hein. On a identifié le gars qui l'a écrasée, sur lequel on a eu beaucoup de soupçons sans pouvoir l'établir parce qu'on a pensé que c'était une opération montée, mais nous n'avons pas pu l'établir. Sans le témoignage de Marie-Claude Magal, la DST ne peut pas prouver l'implication du Mossad dans le meurtre d'El Mechad. Difficile alors pour les pouvoirs publics français d'engager une procédure judiciaire ou de protester officiellement auprès d'Israël. Jean-François Poncet est alors ministre des Affaires étrangères. Je ne crois pas me souvenir qu'on ait pu identifier les services israéliens. Il y avait une forte suspicion. Mais il y avait une suspicion, voilà. Et justement, quelle est à ce moment-là la position de la France ? Est-ce que c'est de dire qu'il faut tout faire pour empêcher que des actions telles que celles-ci se mènent sur notre sol ? Ou est-ce qu'on laisse faire en se disant... On ne peut pas, sur une suspicion, bâtir une politique.
Après l'assassinat d'El Meshad, les ingénieurs irakiens en visite au CEA craignent pour leur vie. Ils sont protégés en permanence par des policiers de leur pays qui se font passer pour des stagiaires en formation. Gérard Bontron était à l'époque le directeur du projet aux Irak. Il a bien connu un autre savant travaillant pour l'Irak, Abdul Rasoul, qui est mort dans des circonstances troublantes. Après avoir partagé un repas avec Abdul Rasoul et une dizaine de collègues français, Gérard Bontron apprend que l'ingénieur irakien est tombé subitement malade. Il envoie son adjoint aux nouvelles. Mon adjoint, le docteur Graff, là, est allé le voir. Il m'a dit, quand il est revenu, il m'a dit, écoutez, je suis très impressionné. Il est gonflé, il a une peau qui est devenue grise comme celle d'un éléphant. Il parle à peine. Et on m'a dit qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Et il a été envoyé au Val-de-Grâce, où il est décédé quelques jours après son admission, pour choc médicamenteux, d'après les médecins du Val-de-Grâce. Et d'après les Irakiens ? Les Irakiens, eux, ont tout de suite imaginé et affirmé qu'il s'agissait d'empoisonnement et qu'ils avaient analysé ses viscères au retour du corps, ce qui les avait confirmés dans cette opinion. Un second collègue irakien qui disparaît brutalement, Gérard Bontron et les ingénieurs français qui travaillent sur le projet sont sous le choc. Ils commencent à prendre peur. Sont-ils, eux aussi, dans la ligne de mire du Mossad ? août 1980, une rue de Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. Un mois et demi après l'assassinat d'El Meshad, une bombe explose devant un pavillon. Comme le prouve un coup de téléphone de revendication, la personne visée est Jean-Jacques Graff, l'un des responsables du projet aux Irak. Mais les artificiers se sont trompés de cible. Le propriétaire du pavillon s'appelle bien Jean-Jacques Graff, mais il est libraire, sa femme esthéticienne, et ils ne connaissent rien à la fission nucléaire. L'erreur est grossière, mais le message est bien reçu. D'autant que la guerre psychologique ne s'arrête pas là. Après cette explosion, une cinquantaine de lettres de menaces est adressée aux ingénieurs français. Parmi les destinataires, Gérard Bontron, le directeur du projet. J'avais déjà reçu deux lettres au moins à mon bureau de Serbag. J'avais reçu aussi une lettre personnelle de menace à mon domicile. La lettre reçue par les ingénieurs français est explicite. Nous apprenons que vous vous apprêtez à repartir pour l'Irak pour suivre les travaux de construction de la bombe atomique au service de l'infidèle sanguinaire Saddam Hussein. Si vous décidez de récidiver, nous ne répondons plus de votre vie, de celle des membres de votre famille et de vos biens. C'est une bonne méthode pour empêcher les ingénieurs français d'aller en Irak. Vous n'avez pas besoin de les tuer, vous envoyez juste une lettre. Finalement, c'est très humain. Les lettres sont signées du Comité de sauvegarde de la Révolution, un groupe islamiste inconnu. Là encore, comme après le sabotage de la Seine-sur-Mer, il s'agit de brouiller les pistes en faisant croire, cette fois, à une action islamiste. Mais lorsqu'ils passent aux menaces téléphoniques, les agents du Mossad ont du mal à se faire passer pour des terroristes arabes. À 2h du matin, j'ai été réveillé par une personne qui, s'exprimant avec un évident accent arabe, a répété en gros les menaces qui étaient dans les courriers que j'avais reçus. Et je l'ai fait répéter pour essayer d'en tirer plus de renseignements. Et l'accent arabe a disparu, puis il m'a dit « Oh, puis vous m'avez bien compris. Terminé. » La ligne n'était pas sur écoute, impossible à l'époque de retracer l'appel. Pour les lettres de menace, en revanche, la DST trouve une piste. Les ingénieurs qui en sont les destinataires ont reçu le courrier juste avant de partir pour l'Irak, peu de temps après la réservation de leur billet d'avion. Nous nous sommes aperçus que c'était l'ordinateur Air France qui était piraté. On a retrouvé tous les listings, etc., avec les dates précises. Nous avons nos sources d'information aussi. Et nous avons su qu'effectivement, à partir de là, les lettres étaient rédigées à l'ambassade d'Israël. Vous saviez que le piratage venait de l'ambassade d'Israël ? Oui. Où le Mossad est également installé ? Oui, ben, automatiquement. La campagne d'intimidation conçue à l'ambassade d'Israël provoque une vingtaine de défections parmi les ingénieurs français.
pas suffisant pour enrayer le projet aux Irak. Le Mossad va-t-il aller plus loin, mettre ses menaces à exécution en tuant des ingénieurs français ? Cela n'a jamais été envisagé. Jamais. Pourquoi ? Parce que nous n'étions pas en guerre avec la France. Nous voulions être amis de la France. Début 1981, malgré 2 ans d'action du Mossad sur le sol français, le réacteur irakien est presque terminé. Les services secrets israéliens ont retardé le projet de Saddam Hussein, mais ils n'ont pas réussi à y mettre un terme. Échec du Mossad ? It was not a failure. They did what they could. Ce n'était pas un échec. Ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient. Et quand ils ont constaté qu'ils n'avaient plus d'autres moyens ou d'autres idées pour retarder le projet irakien, ils en ont informé le Premier ministre. À ce moment-là, Menachem Begin nous a dit « Le Mossad a fait ce qu'il a pu. Il faut maintenant employer d'autres moyens, une autre stratégie. » Une autre stratégie. Menachem Begin décide que c'est maintenant à l'armée israélienne de prendre la relève du Mossad. Le 7 juin 1981, il lance un raid aérien sur Ozirak. Nous sommes à bord de l'un des 14 chasseurs bombardiers qui se dirigent vers le réacteur irakien, à 1000 km de Jérusalem. Le pilote informe ses supérieurs de sa progression. À 18h30, l'objectif est en vue. Les pilotes israéliens lâchent 16 tonnes de bombes sur Ozirak. L'opération dure seulement 2 minutes. Un ingénieur français de 25 ans est tué lors de l'attaque. Le réacteur nucléaire fourni par la France à l'Irak ne sera jamais reconstruit. «